Bonjour frère Maximio, comment nous est? C'est GFL Cuisine Créole, j'en fais dans lundi, votre chef à la maison qui rentre la caille, nous dit nous merci. Merci parce que nous avons suivi, merci pour confiance nous et merci pour fidélité nous. Avant de commencer, je prends un petit temps pour me saluer 4 personnes qui abonnent sur la chaîne moi, qui ont payé. Je salue Valentin Angel, Vadna Georges, Godès V et Teddy Clermont. Je dis à la m'a préparé pour nous un pâté codé actualisé. Pour nous commencer, fait pâté codé pour nous actualiser la première chose que nous avons besoin de pâte là. Ça c'est un bouillon de poulet moi fait. Moi montre nous comment pour nous faire bouillon de poulet déjà. Si ou même moi suivre pour la première fois ou pas contre comment pour faire bouillon de poulet, vous pouvez juste taper JFL bouillon de poulet sur YouTube et vidéo à monter. Bouillon de poulet, il pas de sel déjà. Moi tout mettre un petit sel là dans devant nous là. Mais bouillon de poulet là, même qu'on tasse là, moi déposer dans bouillon de poulet, tu allais me dire nous pour qui ça. Moi j'ai 4 tasses farine. Normalement mes 4 tasses farine là. Pour me faire un vrai bon pâte, faut me mettre genre 1 tasse 3 quarts d'eau pour ta parfait. Mais sauf que là moi j'étais en farine sans nom, il prend pile de l'eau. Moi mettais 1 tasse de bouillon de poulet. Mais pas oublier m'a mettre recette là en bas vidéo. Moi mettais 1 lot demi-tasse, donc ça fait une tasse et demi. On a la m'a brassé. Effectivement, farine ça prend un pile de l'eau vraiment. Qu'on a là, moi mettons l'autre demi-tasse encore. Avec farine noire, on va aller comme ça, vous capable qu'on ait effectivement combien. Pour les gens qui vivent au Canada, c'est farine sans nom. Farine sans nom, il prend plus de l'eau que l'autre farine. Qu'on a pour 4 tasses farine, à nous dire c'est 2 à 5 à la pomme. Comme on a même pas de la fin absorbe le liquide, moi besoin, regardez ça, moi le fait. Moi venu avec une cuillère de l'huile. Moi mettez l'huile d'olive, moi mettez l'huile que vous voulez. Je vais brasser pendant au moins un bon 15 minutes après un traitement qui est l'huile là-dedans. Pour qui ça me mettre l'huile là à l'avance, dans la farine, là, parce que c'est lui-même qui a mis un indice qui va le faire me connaître moins bien pétri pâte là. Parce qu'il y a un bon pâte codé, c'est dans pétri aller. Quand il y a là, je vais mettre un serviette humide sur lui. Je vais quitter le reposer pendant 3 heures de temps. Quand il y a là, je vais faire garniture là, qui va le faire, c'est un pâte actualisé. Pour me faire garniture là, je vais venir avec une tasse de pois de choses. Je vais en blanchir déjà. Nous consacrons les blanchir. Je vais venir avec une tasse d'oignon. Je vais mettre une tasse de poivron aussi. Je vais venir avec un quart de tasse de persil haché. Je vais venir avec une tasse d'anso. Je vais couper un petit morceau. Ça, c'est piment bouc. Je vais enlever le grain. Je vais couper en julienne. Je vais déposer là-dedans. Pas oublier, moi dis nous, c'est un pâté codé actualisé ma fait. Là, moi venir avec une cuillère épice créole ou te genoua mette une cuillère d'ail. Là, moi mette une cuillère de moutarde. Moi mette une cuillère d'huile d'olive aussi. Ça, lui-même, c'est jomou. Un jomou bouilli, moi prends dedans, moi prends une tasse de jomou, moi mette là-dedans. Moi mette une petite cuillère de sel. Parce que en soi est bien dessalé et qu'on a mis des poivres. Qu'on y a là, mon bracelet. Voilà mes garnitures là. Ça qui m'a dit nous pour en soi, ou t'es qu'on va mettre jusqu'à 3 tasses d'en soi, ça va dépendre de vous-même. Comment créer ou remettre ça? Qu'on a la nappe quitté pendant que pâte nous a reposé. Après ça, nous allons faire pâte codée actualisée. 3 heures de temps plus tard, mes pâtes là, ça c'est garniture là. Qu'on a qui ça nous regarder, nous pouvons regarder. Pâte là mou, pâte là collant. C'est le nombre de temps de repos qui fait ça. Je vais mettre de farine là même là. Ok, vas-y. Je vais commencer, je vais faire une graine. Pâte là belle, pâte là vraiment.
C'est parfait ça, c'est excellent. Quand on a mis des bons petits garnitures dans la donne là, une fois qu'on met des garnitures là, il faut faire en sorte que l'eau pour le faire maintenant pour garniture là, pas déborder. Regarde, on prend le temps. Parce que si l'huile là, si il déborde tout à côté, il n'a pas qu'à coller. Poser un côté là, on va faire un autre encore. On a mis deux pâtés codés me fait là. C'est très important lorsque nous avons fait pâté codé, l'huile nous, il ne faut pas trop chaud. Qu'on a là, l'huile m'a chauffé qu'on a mal mis dans la friteuse. Moi, virer les deux côtés là. Différent pas trop gros là-dedans. Je ne vais pas piquer l'homme qui est pour me piquer. Mais après, je vais piquer là qui est la pied. Regarde-moi ça, c'est bien coloré, c'est bien doré, c'est vraiment belle, c'est beau. Ok? Ça veut dire là, là, moi, je cherche une très belle cuisson. Une belle cuisson de yon pâté codé, tout deux pans, dans la chaleur, l'huile là. Là, friteuse là, à 375 degrés, moi-même, seulement mettez-le à 310. C'est parfait. Belle chaleur, très beau, cuisson pour aller à l'intérieur, c'est waouh! Lorsque nous gardons le pâté à la comme ça, après 7 minutes que la cuite comme ça, nous la flotté sous l'huile là, ça veut dire qu'il est cuit. Ma plus salé dans le coin de nous faire au level, je vais mettre là, je vais mettre là, je vais faire un seul monde, tout comme ça, et puis je vais faire à gauche et à droite aussi. Je vais faire de côté là, qu'on a faire de ce côté là aussi. Et voilà, qu'on a mis 2 minutes plus tard, ça va être prêt. Nous avons des saillons pâté codé actualisé. Wow. Un tonnel de côté. Et voilà, qu'on a là, ça c'est prêt. Regarde-moi ça. C'est parfait ça. Regarde-moi ça. Là, qu'on a la balle qui est refroidie un peu. Et puis après ça, on va continuer à faire l'excursion. Et puis après ça, nous allons couper ensemble pour nous rester ensemble. Mais pâté là, c'est fini. Ok? C'est bien fait. Regarde-moi là. C'est parfait, c'est excellent. Et c'est très bon. Nous allons ouvrir autour pour nous garder ensemble. Qu'on a attirer l'attention sur quelque chose. Ça, c'est lui-même là, nous allons goûter avec nous. C'est bien coloré, c'est bien sec aussi. C'est parfait. On nous prend ça garder pour nous. Il n'est pas tellement coloré, il y a une tige blanche. Qu'on a qui ça, nous faire avec là. Nous allons mettre dans le papier ou bien dans le bol. Nous allons mettre dans le congélateur. C'est ça, nous allons faire là. Qu'on a là, nous allons garder. Nous coupons petit à faire nous. Regarde-moi. Écoute, ça va faire ça. Regarde-moi ça. Ingrédients là dans là, regarde, on goûte là avec tout ingrédient. Seigneur que c'est bon, c'est vraiment parfait. Bah qu'on est, si nous même nous qu'on habitué manger jomou avec pâte déjà, si goût jomou avec pâte là, avec aransoa, les font explosion l'embouchement comme yon bagaille bah qu'on habitué manger là. Qu'on a nous même suggère nous à le faire hein. Pas oublier à le partager vidéo pour moi non. Pas oublier faire ça, c'est très important. C'est vraiment un petit goût de pois de chou là en bamba, il est très subtil par exemple. Mais c'est bon là, c'est un bonbon là. Partagez vidéo, d'accord? C'était GFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison, de la canon. Merci, au revoir.